En direct pour le jazzophone du Chapco Bar dans le Vieux-Nice, club de jazz et d'autres musiques, mais un des endroits où la musique live se passe en tout cas à Nice, avec Claudio Cittarella, bassiste, producteur, photographe et aussi collaborateur du jazzophone, Manu Carré, saxophoniste, Luciano Del Gaudio, guitariste et chanteur. C'est le groupe Evolution Band, Max Miguel à la batterie, qui vont nous parler de ce projet commun et aussi de leur projet séparé. Alors Claudio, on commence par toi. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet? Oui. Alors ce projet est né avec Luciano, en fait, qui a mis ensemble toutes ces musiciennes qui ont tout différent. Pour la nationalité, pour l'instrument que nous jouons. Oui, c'est un groupe vraiment international, puisqu'on a un Italien, deux Italiens, deux Français, et on a eu la visite du guitariste suédois. On a un Cubain aussi, un Brésilien avec nous, et voilà, et bien, on joue toute la musique différente, parce que nous, il est beaucoup dans le jazz, moi, c'est plus dans le funk. Le funk, je ne comprends pas, le chien aussi, peut-être. Et voilà, et bien on joue ensemble, ça fait déjà 4-5 mois ensemble, on fait des soirées longtemps, on a un projet pour cet été pour aller jouer en Suisse. On est déjà engagé pour aller jouer en Suisse cet été. Au Jazz Festival de Montreux. On est là pour nous faire le 15 jours. Alors, il y a deux musiciens de jazz dans le groupe, il y a Manu Carré et Max Miguel. Oui. Musicien de jazz, musicien toute couleur. Moi, je ne suis pas forcément. On en avait parlé lorsque tu m'as reçu à la radio. Sur d'autres médias, voilà. On peut le dire sur Agora Côte d'Azur. Sur Agora Côte d'Azur. Donc, moi, je ne suis pas réservé au jazz. C'est vrai que c'est la musique, peut-être liée à mon instrument, que je pratique le plus. C'est avec ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs avec Luciano, puisqu'on on joue pour le brunch à Monaco régulièrement ensemble. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et ensuite on a un peu grossi le répertoire. Voilà, mais ça en parallèle de mon projet du Manu Carré Electric 5, avec lequel d'ailleurs une assez bonne nouvelle, parce qu'on a un contact intéressant avec un label, donc on va peut-être bientôt pouvoir distribuer l'album et se produire un peu plus. Ça, c'est les projets, donc se produire plus, distribuer l'album et continuer aussi avec l'Evolution Band. Voilà, ça c'est un groupe intéressant dans le sens où c'est la rencontre, comme disait Claudio, de musiciens qui sont d'univers différents et en même temps qui se retrouvent pour un répertoire assez festif et un répertoire de club qui trouve un public à chaque fois. Comment vous définiriez votre musique, la musique que vous jouez, c'est funk, soul, qu'est-ce que tu... C'est orienté plutôt vers le funk, soul, R&B, et avec des influences jazz et latin en même temps, parce qu'on a un pianiste cubain, et le fondateur de l'orchestre très important à Cuba s'appelle Charanga Banea, et on a un batteur aussi, brésilien. Et on a Max, qui connaît aussi bien la musique brésilienne. Donc, on est vraiment un universel mélange. Surtout, on improvise beaucoup. On ne joue pas du jazz, mais toujours improvisé, comme ce soir, avec Giorgio Adelius, il a joué un set avec nous, parce qu'il était ici, et on a tout improvisé comme d'habitude. Voilà. Alors, vous avez un projet à Montreux, donc. Luciano. Va être deux semaines Funky Clothes, le bar de Claude Nobs. Claude Nobs, oui. Fondateur. Le fondateur du Jazz Festival. Et qui est décédé l'année dernière. Et ils ont fait un bar, le Jazz Festival, a fait un bar exprès à son nom et géré par le Jazz Festival. Funky Nobs. Funky Claude Nobs. Et vous allez être le house band du club. Et c'est vous qui allez animer les afters du jazz. C'est sûr, oui. Du jazz festival. Ça, c'est une bonne nouvelle, non? Ah oui, bien sûr. Yeah. C'est toujours la musique, c'est toujours. Donc, vous allez rater les grands festivals de la Côte d'Azur, mais. Oui, ça fait 20 ans que je suis
suivre les festivals de la Côte d'Azur pour l'année, je parlais. En plus, je fais aussi le photographe. Ah oui. Après, je vais faire le photographe et après, je vais jouer. Claudio Cittarella, l'homme aux multicasquettes. À part ça, on attend toujours ton article qui paraîtra bientôt. J'ai envoyé les photos déjà hier, je vais donner l'article demain. Sur le jazz italien. Merci messieurs, longue vie Evolution Band parce que c'est un très bon groupe, hein. Ça swing vraiment, ça groove, ça funk et bonne chance à vous pour vos projets personnels et différents et puis on se retrouve bientôt de toute manière. Merci beaucoup. Et Max Miguel veut rajouter quelque chose. Merci Nice. Hein. Et surtout merci Nice. Merci Nice, et bon appétit. Until you use me up.